Donc salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur le défi de l'épique avec une victoire. Et regardez comment je suis à moins un trophée, mais vu que j'étais passé un peu plus au-dessus, c'est bien. Donc voilà, on est parti en combat. Et voilà, pour gagner, il n'y a que ça. Direct un petit fuit à gobelin, tu vois, pour voir si l'adversaire réagit. Bah va crever. Non, on rigole. Mais pourquoi il y a un deck golem? Tu fasses quoi moi contre un deck golem? La technique c'est de mettre les trois mousquetaires derrière et bon, là il n'y a rien qui passe. Parce que ça va renvoyer le bouliste, il va tout reculer. Par contre là s'il a une roquette ou je sais pas quoi. Non, normalement ça va, ils vont pas, il va pas faire, il va rien, il a rien fait. Ok, la prendre c'est plutôt pas mal. Ok, bien joué. Oh, très bien. Parce que là il aurait pu prendre cher. Il a pris moyen. On va envoyer le bouliste. Ouais, il nous saoule avec son... Toujours à mettre cette carte. Allez, on continue à contrer non plus. Mais non, non, non. Non, il va tout tuer. Yeah. Voilà, on est méchant. On va faire ça avec le mineur. Ouh là là, c'est bien joué par contre. Dommage. Ok. Envoyer la petite fournaise pour pas qu'il... Pour essayer de faire un grand truc. Bon, pour l'instant, on arrive bien à défendre le golem. Voilà, en parlant du golem. Mais bon après s'il envoie trop de cartes avec le golem par exemple le dragon de l'enfer et tout, ça va commencer à devenir très difficile. Pour l'instant là on arrive à gérer tranquillement. Voilà, faut l'occuper. Oh, le mineur défensif. Comment je défends moi? Pour l'instant, ça va, on arrive à tenir. On n'a pas encore gagné. Ça sent bon, mais c'est pas la victoire non plus. Ouais, c'est la victoire quand même. Donc, on va partir pour un deuxième combat. On est à 2-0. Normalement, on devrait au moins avoir... Tant qu'on n'a pas le petit 3 pour avoir au moins un petit coffre épique là. Enfin, coffre épique. Avoir au moins 3 épiques pour voir comment ça se déroule. Comment ça marche, voilà. Et ben, on n'arrêtera pas la vidéo. Donc, allez, là, faut enchaîner les victoires. Si, je suis désolé, mais j'arrive pas à faire des... En fait, à chaque fois que je fais une vidéo, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je fais une coupure ou un truc comme ça. Et en fait, je la sors pas à la fin. Et là, je vais me faire défoncer. Mais c'est pas grave. Ouh, la plante, j'en ai utilisé une. Hier. Ouh, ça a tapé là. Dommage. Dommage. Donc, on va peut-être prévoir le petit combo au nickel. Là pour l'instant il tente pas du tout d'avancer, donc c'est très très bien pour nous. Hein. Ok, il a sauté. Peut-être il va avoir une petite coupure parce que il y a trop le bruit là, mais bon. Normalement.
Non, c'est bon, on va pas envoyer. Parce que là, il parle trop, ça me fatigue. Je préfère faire une petite coupure que entendre. Entendez. Oh là, il me saoule avec ses esprits de feu qui tapent en plus. Et regarde, il tape! Alors pourtant, j'ai tellement bien défendu. Je suis blas. Putain, il arrête pas avec ses putains d'esprits de feu de merde là. Il va me gagner en plus, hein. C'est ça le pire, ouais, vas-y, ris. Ah, il dégage, ouais. J'arrive pas à jouer, il arrête pas de m'envoyer sa fournaise! Et en plus, ça tape. Allez, là, je te joue, je pars en. Mais dégage, toi. Je m'en fous. Je refuse. Mais non! Mais van! Je vais rien dire. Je pense que c'est la meilleure but du but. Ah, j'arrive même pas à parler. Meilleure. Allez! Mais il va crever! Non! Là, vous avez dû entendre un bruit. J'ai un peu tapé mon portable, on va le dire gentiment. Mais vas-y là, je veux pas. Donc les gens se retrouvent. J'ai réussi à avoir trois petites épiques, c'est le gros. Je suis plutôt content. Et on a aussi le petit coffre à couronne qu'on va s'ouvrir. Technique du bouseux. Ok. En tout cas, si cette petite vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao.